En calme précaire, pourtant règne actuellement à la frontière libano-israélienne. Les derniers échanges de tirs ont été enregistrés il y a environ 1h30 à peu près. Si des frappes par intermittence ont rythmé cette journée de jeudi, comme vous l'avez mentionné, eh bien en fin d'après-midi, les attaques se sont multipliées et intensifiées. Selon l'Agence nationale d'information, au moins 4 personnes ont été tuées dans le secteur frontalier de Maïs el-Jabal et ses environs. L'une des attaques les plus violentes s'est produite vers 17h30, heure de Beyrouth. Elle porte la signature des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, qui a dit avoir tiré au moins 12 missiles en direction de la localité israélienne de Kiryat Shemona. En représailles, eh bien, Tsahal a bombardé plusieurs secteurs frontaliers. D'autres bombardements israéliens ont également visé des positions du Hezbollah suite à une attaque d'envergure revendiquée par le Parti de Dieu. Vous l'évoquiez justement, 19 positions et sites militaires israéliens ont été visés en milieu de journée lors de tirs simultanés. Le Hezbollah a également revendiqué une attaque au drone kamikaze contre une position militaire de Tsahal dans les fermes testé de Sheba. Il s'agit de la première attaque du genre depuis le début du conflit. Ce regain de tension intervient alors que la bande de Gaza subit ce soir d'intenses bombardements. Une situation donc très tendue dans la région, à la veille d'un discours aussi très attendu d'Hassan Nasrallah demain vendredi à 15h heure locale. Le premier depuis le début de la guerre à Gaza. Selon les analystes, l'allocution du leader du Hezbollah pourrait marquer un tournant dans le conflit, alors que les craintes d'un embrasement régional s'intensifient. En déplacement à Beyrouth aujourd'hui, le ministre français des Armées a d'ailleurs estimé que le Liban n'avait pas besoin d'une guerre avec Israël. Avant de rentrer à Paris demain, Sébastien Lecornu doit s'entretenir en matinée avec le Premier ministre Najib Mikati.